Salut à tous, c'est Falcor. Je tenais à faire cette vidéo pour vous montrer comment obtenir un kart et tout le set qui va avec. Et un kart assez rare, pour cause parce qu'il est assez difficile à obtenir. En fait, il s'obtient avec des codes qui étaient disponibles dans des paquets de bonbons vendus uniquement aux États-Unis. Ces paquets de bonbons là sont toujours vendus, mais il n'y a plus la version avec les codes. Donc on ne peut plus les obtenir, mais on peut encore avoir les codes. Parce que des personnes se sont appropriés ces paquets de bonbons et ils ont ramené les codes bien au chaud chez eux pour les mettre en vente chez eBay. Donc voilà, vous avez entendu le mot vente, je vous mets tout de suite dans le vif du sujet, il va falloir dépenser un petit peu d'argent, dans mon cas j'ai dépensé 27€, et c'est assez proche de ce que coûte l'ensemble des paquets de bonbons achetés, parce qu'en fait il y a 4, alors il y a 2 sachets et 2 boîtes, bon ça on s'en fout, mais voilà ça fait un total qui revenait à peu près à 25€, parce qu'évidemment c'est en dollars, mais ça, si on convertit en euros ça revient à peu près à ça. Donc l'offre en soi est assez raccord avec le prix d'origine qu'a payé la personne. Évidemment, il va pas vous envoyer les paquets de bonbons, il va vous envoyer les codes par un petit message. Alors, on va quand même regarder de quoi il s'agit exactement. Donc, le kart, vous voyez, je suis dessus depuis tout à l'heure, c'est le croiseur de la crique. Il est disponible avec une décalcomanie, donc tout ça, c'est dans un seul paquet de bonbons. C'est une boîte même, je crois. Un tourbillon des tropiques. Vous avez la roue. Qui, alors, faut que je vérifie ça, je vais pas dire de conneries, hein. C'est peut-être pas intéressant, mais voilà, la roue on l'obtient ouais, dans un autre paquet de bonbons, donc vraiment paquet là. Voilà, une roue un petit peu, je trouve un petit peu moche, hein, je vous le dis franchement. La peinture explosion de menthe qui est aussi dans une boîte de bonbons, hein, comme le kart, explosion de menthe. Alors, c'est intéressant à noter quand même que le kart, évidemment, vous pouvez mettre toutes les peintures, et on peut avoir des résultats qui sont pas mal. Moi par exemple, j'aime bien mettre ça, voilà, je trouve que ça va. Évidemment, je change aussi les roues. Et alors, vous avez peut-être remarqué, si vous regardez bien, il y a un petit autocollant. Et ça, c'est dans un paquet de bonbons. Alors, les paquets, hein, je vous disais, les paquets, je crois que c'était 3,30€ que ça revenait. Et les boîtes, quant à elles, de bonbons, dans lesquelles se trouvait le kart et la peinture, c'était à peu près 8-9€. Vous voyez, c'est assez cher. Hein. Ça fait qu'au final, voilà, ce que vous payez, c'est vraiment le prix qu'a payé la personne qui vend les codes. Donc, pour obtenir ces codes-là, il faut se rendre sur eBay, mais avant ça, il est important d'avoir un compte Activision. Ça, c'est obligatoire. Le compte Activision, donc vous le créez sur le site Activision, hein, tout simplement. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez faire votre vente eBay. Donc je vais vous donner le lien pour que vous ne vous trompiez pas. Parce que vous avez vu, il y a 4 codes à avoir. Et le lien que j'ai trouvé, moi, c'est un lien qui correspond à une vente où la personne, elle en a plusieurs en stock. Elle en a vraiment pas mal, apparemment. Et il y a les 4 codes à l'intérieur. Donc vous avez le total pour un prix qui correspond à ce qu'il a vraiment payé. Et donc ce vendeur c'est Lil Coelcant. Moi j'ai fait ma commande, il était quoi, 15h30 à peu près, et 4 heures plus tard j'avais mon message avec mes 4 codes. Et donc il vous donne le lien vers lequel il faut se rendre pour entrer les codes. Donc ce lien c'est spkcrash.com. Et une fois que vous êtes sur ce lien là, vous avez le bouton là tout en bas à droite, Redeem Now, vous cliquez là dessus. Et vous allez juste avoir à rentrer le code. Alors si du coup vous avez votre compte Activision, vous vous y connectez. Là vous saisissez le code dans la petite case ici, et juste en dessous vous sélectionnez la plateforme. Alors pour que la plateforme elle soit mise, faut que dans votre compte Activision vous ayez relié vos comptes qui correspondent à votre plateforme. Moi vous voyez c'était PlayStation, donc j'ai relié le compte PSN, donc évidemment il faut que ce soit la même adresse mail. Et quand vous rentrez votre lien pour coller votre compte Activision à votre compte PSN, on vous demande aussi votre pseudo. Donc moi j'ai mis le mien, j'ai mis Falcor, mais ça je pense que ça n'a pas d'importance. Ce qui est vraiment important c'est l'adresse mail. De toute façon si vous vous trompez dans cette page là, vous allez pas voir les plateformes. Là je vois PlayStation parce que j'ai rajouté mon compte, mais vous voyez il n'y a pas Xbox, il n'y a pas Switch parce que j'ai pas mis mes comptes, puis de toute façon j'en ai pas. Donc si vous voyez rien, pas de panique, c'est juste que vous n'êtes pas relié. Donc normalement vous n'avez aucune, vous avez aucune chance de vous tromper, vous n'allez pas rentrer les codes sur une page et du coup vos codes seront perdus à jamais. C'est un petit peu la crainte que j'avais. Donc voilà, je vous ai pas montré tous les autocollants. Voilà, vous avez un petit vert, un petit orange, ouais voilà, et puis un bleu. Alors évidemment c'est pas très joli. Mais comme je vous disais, c'est pas compliqué de changer de peinture pour avoir un résultat mieux. Alors on va voir quand même ce que ça donne quand on est en partie. C'est parti. Allez, on y va. Bon, déjà on peut regarder un petit peu. Vous voyez, les roues, elles ont des petits effets. Là, il y a des petits grains de sucre qui volent. Ça, c'est rigolo. Bah, je crois que c'est la première fois que je joue avec... avec les roues, le kart, j'ai pas mal joué avec parce qu'évidemment, quand on dépense de l'argent pour un kart, on a quand même envie de l'exhiber. Voilà.
Et donc, voilà, ce que je me disais un petit peu, c'est que ça pourrait servir à des joueurs qui sont dans mon cas, c'est-à-dire qui ont absolument tout dans le jeu. Vous voyez, moi, dès le début, j'ai assumé le fait de dépenser de l'argent puisque j'ai précommandé la version Oxide. Donc j'ai absolument tout, j'ai tout débloqué, j'ai fait tous les grands prix pour tout avoir, et c'était vraiment la seule chose qu'il me manquait. Je disais, bon bah, il n'y a pas eu d'autres ventes de ce type-là, donc finalement, ça va peut-être me coûter cher qu'une seule fois, il n'y en aura pas d'autres, alors autant y aller. Et puis comme ça, là, je peux dire maintenant, j'ai vraiment tout débloqué dans le jeu, absolument tout. J'ai le carrefour de feu, les bonus précommande, les bonus de l'édition Oxide. Donc voilà, c'est peut-être, vous êtes peut-être dans le même cas que moi, vous avez tout. Et vous avez entendu parler de ce carte là et vous vous dites, bon bah comment je peux faire pour l'avoir. Donc voilà, alors évidemment vous allez pas... vous allez qu'avoir les clés, vous allez pas avoir des bonbons, mais de toute façon les bonbons c'est le mal, c'est plein de sucre. Ah, nous tout ce qui nous intéresse hein, c'est rester le cul assis sur son canapé, à jouer tranquillement dans un joli carte vert dégueulasse. Bon là il est bleu parce que j'ai le bouclier bleu. Voilà, je finis ma course. Donc je sais pas si ça vous a motivé pour le prendre, mais en tout cas vous avez toutes les infos. J'ai mis les liens dans la description pour que vous ne soyez pas perdus. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à cliquer et éventuellement bah, encore dépenser de l'argent en espérant qu'il n'y aura pas d'autres choses comme ça, mais ça m'étonnerait. Voilà, voilà. C'était Falcor, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Pensez également à mettre un like si ça vous a plu, si ça vous a aidé. Bon, bien sûr, si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit de mettre un dislike, mais je serais affreusement triste, malheureusement. Voilà, merci à vous, bye bye.